Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être partie aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous prenons un moment pour nous pencher sur la question dans le contexte de la COVID-19, comment assurer une éducation de qualité et la pertinence des évaluations à l'université. Alors, tout d'abord, avant de présenter les panélistes, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que les quatre panélistes qui se joindront à moi ce matin sont tous des personnes qui sont des expertes dans un domaine ou un service de l'enseignement supérieur. Elles se sont retrouvées dans un rôle de soutien et de l'accompagnement des professeurs pour la transformation des cours en ligne et pour réfléchir à l'évaluation par la force des circonstances. Alors, je vous présente les quatre panélistes. Avec nous, nous avons Julie Desjardins, qui est vice-doyenne à la formation à la Faculté d'éducation de l'Université Sherbrooke, responsable facultaire de l'ensemble des programmes de formation à visée professionnelle, premier, deuxième et troisième cycle, ainsi que du pôle d'innovation technopédagogique. Dans le contexte du printemps 2020, elle a coordonné le développement des lignes directrices ainsi que les communications internes liées à la préparation du trimestre d'automne 2020. Elle assure aussi, dans le contexte de la crise, bien entendu, la communication avec le vice-rectorat aux études et avec les milieux de pratique qui, en fait, accueillent les stagiaires en enseignement. Alors, merci, Julie, d'être avec nous. Oui, merci. Bonjour. Nous avons aussi Florian Meyer, qui est professeur en intégration des technologies de l'enseignement au département de pédagogie et de la faculté d'éducation de l'Université Sherbrooke. Il est actuellement responsable du pôle d'innovation technopédagogique de la faculté d'éducation conjointement avec Céline Garand. Depuis mars 2020, il contribue en collaboration étroite avec Julie Desjardins à faire en sorte que toute l'équipe du pôle aide efficacement les formateurs et formatrices et tous les programmes de la faculté dans l'adaptation de leurs pratiques pour répondre aux nouvelles contraintes et exigences imposées par la COVID-19. Alors, merci Florian d'être avec nous. Merci, bonjour. Nous avons aussi avec nous Annie Pilote, vice-doyenne à la recherche et aux études supérieures à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Elle a été chargée responsable de l'escouade pour la transition pédagogique, chargée de coordonner la transition des cours pour la rentrée 2020. Elle a aussi mis sur pied une équipe d'auxiliaires d'enseignement qui ont accompagné les professeurs et les chargés de cours dans cette opération colossale. Ces étudiants au cycle supérieur ont été formés en technopédagogie dans leurs champs disciplinaires respectifs, contribuant ainsi à former une relève en enseignement supérieur à l'ère du numérique. Alors, merci Annie. Merci, bonjour. Et nous avons aussi Nicolas Gagnon, qui est directeur du service de soutien à l'enseignement à l'Université Laval. Membre de la cellule de gestion de crise, il assure la coordination de la continuité des activités d'enseignement, la rédaction du plan de relance de l'automne 2020, la coordination du chantier de révision complète de la mise à l'horaire, c'est-à-dire l'offre de cours, le renforcement des infrastructures numériques d'enseignement et d'apprentissage. Alors, merci Nicolas. Merci Anne-Louise et bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors, sans plus tarder, nous allons sauter dans le vif de la question, en fait, la question de l'enseignement. Pour aborder la question, j'aimerais quand même qu'on dresse un portrait des établissements. Tout d'abord, je comprends qu'à l'Université Laval, il y a certains cours qui se donnent sur le campus et à l'Université de Sherbrooke, la plupart des cours sont en présentiel. Depuis lundi, on sait que la région de Québec passe en zone rouge. Alors, il me semble que la situation n'est pas meilleure à Sherbrooke. Il me semble que c'est quand même assez tragique ce qui se passe. À écouter les nouvelles, ça fait peur. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de ce qui se passe présentement dans le contexte de l'Université Laval et à l'Université Sherbrooke? Quel est le portrait de la situation dans vos établissements présentement? Je peux me lancer, si vous le souhaitez, pour le portrait à l'Université Laval. Donc, à un haut niveau, la ligne directrice tracée en mai dernier, puis celle qui s'appliquera également pour la session d'hiver 2021, se résume là, comme suit. Tout ce qui peut être enseigné en ligne doit l'être, en conjonction avec l'objectif de préserver l'espace campus qui est limité pour ce qui ne peut pas être enseigné en ligne. L'intention étant de ne pas se retrouver, puis je bascule dans des idées qu'on a émises en mai dernier et qu'on partage encore aujourd'hui, se retrouver à enseigner en ligne en mode d'urgence en cas de fermeture complète, un sujet d'actualité encore aujourd'hui.
tirer profit de toute ouverture partielle le plus longtemps possible. C'était très important pour nous, donc en réduisant au maximum la présence d'étudiants sur le campus. L'objectif était de poursuivre les activités qui doivent essentiellement se produire en présentiel, l'apprentissage, proposer une expérience 100% en ligne, numérique, pour ceux qui ne seront pas en mesure de se déplacer pour des raisons personnelles ou des raisons de santé ou par choix, puis de capitaliser sur les 1100 cours à distance qui étaient déjà développés ou qui ont été développés au cours des 10 dernières années. Donc, conséquemment, les activités d'enseignement sont offertes majoritairement en ligne. Une nuance importante quand même à apporter, mais en proportion variable selon les cycles, selon les domaines disciplinaires. Par exemple, en santé, médecine dentaire, physiothérapie, les ateliers pratiques en design de produits ont une proportion plus grande en classe. Concernant les cycles, premier au deuxième cycle, ça se ressemble, donc on est autour de 30 %. Mais au troisième cycle, les unités ont fait le choix donc d'amener 87 % des activités de formation avec une composante présentielle. Puis une attention particulière a été portée aussi aux étudiants de première année. Concernant l'évaluation des apprentissages, on pourra en reparler plus en détail plus tard durant le panel, mais essentiellement, la ligne directrice était de réduire au maximum la dépendance et la prépondérance des examens sous surveillance. Déjà au mois de mai, on a émis cette orientation-là. Mais clairement, ce qui se dessine, c'est une approche mixte, donc des évaluations sur campus. On prend aussi appui sur notre réseau, on a 30 centres d'examen répartis partout à travers le Québec et au Nouveau-Brunswick pour réaliser des examens sous surveillance en présentiel, mais également avec une certaine proportion ou en dernier recours, l'utilisation de la surveillance en ligne. Pour le moment, il y a peu d'impact du passage de la capitale nationale en zone rouge, puisqu'on était déjà préparé à enseigner majoritairement en ligne, mais on surveille de près l'évolution de la situation, parce qu'une fermeture complète du campus pourrait faire basculer la situation. Et puis, il y a une incertitude qui plane concernant une examen sous surveillance, à la fois sur le campus et à travers les centres d'examen, puisqu'il y a par exemple, une région peut passer en zone rouge puis freiner les déplacements des étudiants, mais on doit maintenir la cadence pour les activités qui sont offertes sur le campus. Je m'arrête ici concernant le portrait UL. Merci, Nicolas. Est-ce que, Julie, de votre côté, vous pouvez faire le portrait un peu de ce qui se passe à l'Université de Sherbrooke? Oui, oui, absolument. Vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Alors, effectivement, l'université, ben, peut-être une petite correction d'abord. On a invité, la direction institutionnelle a invité les facultés à offrir un maximum de présentiel, mais ce n'est pas du tout en présentiel. Je vous dirais qu'on est vraiment beaucoup plus dans un modèle hybride. Donc, mais je voudrais quand même revenir un petit peu sur la réflexion que l'institution a faite au mois de mai, puis les raisons, je dirais, qui ont mené à faire un certain nombre de choix, avec les points positifs, puis avec les enjeux aussi, là, il faut effectivement le reconnaître. Ce qui a été au cœur de la décision, c'est l'expérience de l'étudiant, l'expérience, non seulement l'expérience d'apprentissage dans les cours, mais l'expérience universitaire, l'expérience de faire un baccalauréat dans un parcours d'une vie, et puis... C'est vrai que la préoccupation, c'est avec l'idée aussi qu'on était dans une situation qui n'allait peut-être pas durer seulement une session, qui allait durer peut-être deux sessions et peut-être même plusieurs années. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Alors, c'est sûr qu'en regardant sur le long terme, on peut aussi se dire, ben, justement, ça risque d'être pire, alors prenons la solution la plus agile, mais je dirais que qui a été proposé, qui était courageux, mais aussi, je dirais qu'il a quand même fait l'objet de beaucoup d'échanges, de discussions à l'interne, puis de résistance aussi, on doit le dire, c'était de permettre à nos étudiants de vivre aussi l'expérience du campus. C'est quelque chose aussi qui est très important à l'Université de Sherbrooke, on ne se le cachera pas, là. Qui est attractif aussi pour les étudiants, c'est cette vie universitaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, la question qui se posait, c'est qu'est-ce qui nous empêche de le faire essentiellement, bien sûr, les mesures socio-sanitaires, mais aussi les capacités des locaux, puisque en passant à du 2 mètres, on est ensuite arrivé à 1,5 mètres. Alors, ce qui a été fait par la direction institutionnelle et avec, je dirais, les doyens, avec les discussions aussi, les vice-doyens, c'était de se mettre à la recherche de locaux alternatifs.
ceux que ça intéresse, l'université a fait une page qui s'appelle « Mon campus éclaté ». Alors, vous irez voir la page « Mon campus éclaté », mais il y a un travail vraiment phénoménal qui a été fait. Alors, on a effectivement, je crois, 4 sous-sols d'église, la salle de théâtre Maurice Aubrédé, on a mis des chapiteaux, on a donc des chapiteaux extérieurs, on a créé des lieux d'espace extérieur qui ne sont pas sous chapiteaux. J'ai vu là encore récemment une entente avec la tribune pour avoir accès à ces locaux. Donc, on a réussi comme ça à avoir des locaux, là, je dirais, de entre 40 et 200, avec des capacités d'accueil de 200 personnes. Alors là, c'est comme si on brisait la barrière de la capacité de nos locaux. Cela dit, c'est sûr que même avec tous ces locaux additionnés, il n'y avait pas nécessairement la possibilité d'offrir du tout présentiel. On a favorisé, un peu comme l'a dit aussi Nicolas pour l'Université Laval, puisqu'on parle de l'expérience étudiante, la création d'un réseau pour les étudiants. On sait quand même que c'est une difficulté dans l'enseignement à distance. Donc, nos étudiants de premier cycle, première année, premier cycle, c'était particulièrement important. La consigne était claire. Il y a certaines activités qui sont données complètement en présence, mais la plupart des activités sont données en mode hybride. Qui nous paraissait aussi, pour les formateurs, le passage du présence. Alors, comme partout, là, il y a beaucoup d'enseignants qui n'avaient jamais fait l'expérience de l'enseignement à distance, se sont retrouvés le 13 mars dans une situation difficile, mais le passage du présence au hybride était, je dirais, un saut, puis une bouchée plus facile à prendre, puis un contexte favorable pour l'apprentissage. Changer en fait aussi la perspective de planification dans une approche hybride ou à distance, donc penser en module au lieu de penser en séance puis en semaine. Et aussi, évidemment, on se retrouve là pour ce qui est de la situation actuelle et très, très récente, là, des changements de couleur des ondes. Juste après cette rencontre-là, j'ai reconvoqué les responsables de mes programmes puis on va faire le point. Mais le fait d'être en mode hybride va faciliter si jamais on doit repasser à distance. Je pense que les éléments sont là pour qu'on puisse faire ce passage à distance avec beaucoup moins de chaos que ça a pu être le 13 mars là, au printemps. Alors, ça ressemble à ça. On a les gens, et puis on a aussi, j'aimerais quand même le dire, aménager le campus. On a acheté des chaises à Dirondack qui sont à 2 mètres de distance. Il y a des spectacles le midi, des gens qui viennent chanter. Évidemment, la période est belle en ce moment, mais dans la logique, pour aller jusqu'au bout de la logique de la vie de campus, il y a vraiment énormément de travail qui a été fait aussi pour permettre là, des rencontres puis de l'activité. C'est pas pleine capacité, mais il y a des gens sur le campus, c'est vrai. Merci, Julie. Quand tu dis que vous avez passé plutôt à un mode hybride, ça veut dire quoi au juste? Est-ce que c'est dans un même cours la possibilité de faire le cours en face à face ou en ligne? Ou est-ce qu'il y a du comodal aussi qui est dans le mix? On a travaillé, puis je vais peut-être passer la parole aussi à Florian qui pourra intervenir, mais on a élaboré des lignes directrices, puis il y a tellement de cas de figure que ce qu'on a voulu donner à nos formateurs, à nos responsables de programme, c'était des outils pour réfléchir à ce qu'il y avait de mieux. Le bimodal, là, donc la moitié d'un cours en présence, puis l'autre moitié à distance, on ne l'a pas favorisé. Le conseil qu'on a eu de notre pôle, c'était aussi de dire attention parce que l'expérience étudiante, ça peut être assez difficile pour ceux qui sont à distance. En fait, il y a un certain nombre de limites, mais ça peut être une modalité sur laquelle on peut se replier. Et effectivement, on a équipé nos salles de caméras pour faire de caméras, de micros, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'achats de technologie qui a été fait. Les dispositifs sont en place, mais en général, je dirais que c'est plutôt plusieurs activités ou je dirais une partie de la formation qui est donnée à distance en mode soit synchrone ou asynchrone et des présences. Puis, ce qu'on a fait aussi, c'est de modifier l'horaire. Alors, au lieu d'avoir des plages de 3 heures, on avait des plages de 90 minutes. Parfois, parce qu'il y a la capacité des locaux, toujours, parfois, les gens viennent en demi-groupe, parfois, ils viennent en tiers de groupe, parfois, c'est le groupe au complet là, qui est présent. Alors, on a essayé de donner tous les outils de réflexion pédagogique à nos responsables de programme qui ont travaillé avec leurs formateurs
pour faire les meilleurs choix en fonction de la nature même des apprentissages à faire dans chacune des activités. Alors, je dirais qu'il y a un petit peu de tout. D'accord, merci. Annie, de votre côté à l'Université Laval, est-ce qu'il y a quand même du comodal qui se passe dans certains cas où tout est à distance? Mais je vais parler que pour ce que je connais, qui est la Faculté des sciences d'éducation. Je dirais que nos enseignants ne sont pas du tout allés dans cette direction-là. Il y a un petit peu de comodal, mais ça n'a pas été la solution privilégiée. Pour donner peut-être un portrait de notre faculté, là, on a 80 % des cours qui sont donnés à distance, 13 % qui ont un mode hybride, donc c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de rencontres en classe et un certain nombre donc en ligne entièrement. Ça peut être aussi en demi-groupe ou avec différentes formules. Et on a 7 % des activités en présence. Et chez nous, à la Faculté des sciences de l'éducation, ces activités en présence-là ont été vues nécessaires pour tout ce qui concerne la formation pratique, notamment le développement des compétences relationnelles. Donc, il faut voir qu'on a quand même des programmes qui nécessitent la relation humaine est très, très importante et nos équipes pédagogiques ont jugé quand même que pour un certain nombre d'activités, c'est important d'avoir ces rencontres-là en présence. Ce qui fait en sorte que le co-modal, on l'a peut-être adopté pour quelques rencontres, pour quelques cours, mais il y avait effectivement beaucoup de défis qui étaient associés à ça, beaucoup d'appréhension pour des gens qui sont néophytes aussi. Un des obstacles, je dirais, c'est aussi tout l'accompagnement qui était jugé nécessaire pour avoir peut-être des équipes d'assistants qui appuient le prof pour l'aider à gérer le groupe qui est à distance, celui qui est en présence. Alors, avec un ensemble d'enseignants qui n'avaient peut-être pas cette habitude d'offrir une telle prestation d'enseignement, c'était vu quand même comme un défi très important. Donc, ça n'a pas tellement été privilégié par nos équipes. D'accord, merci. Est-ce que Florian, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, volontiers. En fait, j'allais rebondir effectivement. Le comodal ou le bimodal, hein, c'est-à-dire la mise en commun de plusieurs modalités de manière simultanée, n'était peut-être pas ce qu'on favorisait un peu comme vient de le dire Annie, parce que c'était chargé, parce que c'était lourd, parce que ça représente aussi le développement de compétences complexes pour les formateurs, formatrices qui ne les avaient peut-être pas à ce moment-là et qui, dans un temps très réduit, on peut pas s'attendre à ce qu'il développe toutes ces compétences-là d'un coup, c'est évident. Cependant, il était très important de pouvoir anticiper une évolution potentielle. On a observé durant le printemps que ça évoluait très vite, hein. Pendant une semaine, il y avait certaines contraintes. Pendant une autre semaine, il y en avait d'autres. Et puis, ça basculait très vite. Donc, sans vouloir charger tout le monde et tout préparer, il fallait quand même qu'on se donne les modalités qui nous permettraient de resserrer un peu s'il y avait besoin de resserrer ou de basculer un peu dans un autre contexte. Donc, on a quand même fait en sorte que toutes les salles de classe, notamment, soient équipées de manière à ce que ça soit faisable dans l'éventualité où, par exemple, des étudiants doivent rester à la maison pendant 15 jours parce qu'ils ont été testés positifs, par exemple, ou parce que même le formateur ou la formatrice doit rester à la maison pour les mêmes raisons, ou parce qu'un groupe classe pendant quelque temps doit être contraint pour une infection localisée, rester tout éloigné. Donc, il fallait qu'on ait installé toutes ces salles-là, ce que l'on a fait. Et donc, on a travaillé très, très fort avec le service informatique facultaire, notamment, de façon à faire en sorte que les salles soient équipées de manière fonctionnelle, mais aussi de manière pédagogique pour que ça puisse se faire. Et ce qu'évoquait Annie, cette complexité qui se présente pour les enseignants, bien, on a essayé pendant les 3 premières semaines de mettre en place des personnes qui étaient présentes devant tous les locaux. Donc, l'équipe du pôle s'est mobilisée, et j'en faisais partie aussi, pour être présent physiquement devant les classes et dire aux profs et aux chargés de cours, rassurez-vous, on est là. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez besoin de manière exceptionnelle, on va vous guider, on va vous aider, rassurez-vous. Et donc, il y avait toujours des petites mains, entre guillemets, qui étaient en arrière d'eux, mais qui maîtrisaient la technologie, qui maîtrisaient aussi ce que ça représentait que d'avoir son écran Teams, d'avoir son écran avec son diaporama qui était projeté dans un coin, avoir la caméra éventuellement qui doit être allumée, puis s'assurer que le son fonctionne pour que les 2-3 étudiants à distance entendent en même temps. Donc, ça s'est pas produit tant que ça, mais on voulait être sûr que ça puisse être anticipé. Donc, on a mis en place cet aspect-là, mais il y a une autre dimension qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est les compétences des étudiants aussi, à être capables de fonctionner et d'apprendre dans ce genre de contexte-là. Alors, ce qu'on a mis en place également, c'est ce qu'on a appelé une brigade étudiante. Donc, on a développé, en fait, on a formé une dizaine d'étudiants
volontaires, qui se sont présentés volontaires, et on les a formés à ce qui pourrait être les outils utilisés par leur formateur, formatrice en classe. Et puis, ben, ils étaient là pour aider les autres étudiants avec un espace Facebook qu'on a créé pour ça. Donc, on a quand même essayé de structurer au-delà de l'approche un peu modulaire ou l'approche thématique, comme l'évoquait Julie, qui nous permet aussi de séquencer les choses et d'éviter de faire ça sur une trop longue, trop grosse période. On a mis en place ces brigades et ces outils complémentaires. Merci Florian. Alors, ça apporte beaucoup de clarification à tout le panorama finalement et la complexité qui est en train de se créer. Moi, je me pose une question en fait, Florian, tu l'as un peu adressé. Comment est-ce que vous préparez les profs pour ce qui vient dans la pédagogie universitaire en contexte de pandémie? Parce que là, on a géré la crise de la fin de la session d'hiver et du printemps. On s'est préparé durant l'été, mais on voit très bien là, que lorsque tout est en ligne, comme quand même une présentation, pour reprendre le terme d'Annie, un travail colossal à faire. Donc, j'aimerais vous entendre parler un peu là-dessus. Vous pouvez y aller n'importe qui. Puisque j'avais la parole, alors je vais continuer si tu me permets. En fait, on a mis beaucoup de choses. Puis, je vais citer un de nos collègues, Vincent Grenon, qui disait on a eu à faire en 6 mois ce que l'on avait prévu de faire dans les 3 prochaines années quelque part. C'est-à-dire, on a mis en place depuis quelques années et à l'instigation de Julie Desjardins notamment et de l'équipe des Canals à la faculté, une projection pour un virage numérique, c'est-à-dire un virage vers un passage qui mise beaucoup plus sur la formation à distance, formation hybride et l'exploitation du numérique en classe ou autre. Et donc, on avait déjà quelque part l'intention de favoriser un peu ces transformations numériques à la faculté, sauf que là, on était contraint de le faire un peu plus vite. Mais on avait un peu déjà mis en place les bases qui nous permettraient de faire ça, mais moi, je le vois en fait comme un levier qui nous permet d'accélérer. Donc, ce que l'on met en place aussi, pour moi, au niveau du pôle de la faculté d'éducation, c'est vraiment de mettre en place des éléments qui vont nous permettre aussi de continuer dans le temps et pas juste de répondre à une urgence et un besoin ponctuel présent là maintenant. Donc, on a mis en place un site web avec tout un tas de ressources variées qui permettent aux gens de récupérer des ressources, de récupérer des canevas peut-être, d'identifier des guides, de voir des exemples ou des illustrations de ce que d'autres font. On a créé une communauté de pratiques ou des communautés de pratiques qui émergeaient parce qu'on avait une ligne ouverte dans Teams ou par téléphone où les gens pouvaient à tout moment appeler et évoquer quels étaient leurs besoins. Donc, quand on voyait qu'il y avait des besoins et des questions qui étaient similaires, on les regroupait ensemble puis on créait des espaces communautaire, d'échanges. Donc ça, c'était très intéressant. On a travaillé sur l'adaptation des locaux. On a aussi rencontré assez régulièrement les équipes programmes, les responsables de programmes notamment, pour bien comprendre quels étaient leurs besoins, leurs inquiétudes, les caractéristiques de leurs programmes et des cours qui constituent ces programmes-là, parce qu'ils sont tous et toutes différents, ces cours-là, donc, et ces programmes-là. Donc, c'est important de bien saisir ces caractéristiques-là pour ne pas, en fait, imposer des modalités qui soient uniques, mais bien de s'adapter aux modalités propres et aux besoins propres de chacune de ces personnes. Donc, j'ai parlé de la brigade et puis de l'installation des salles, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit à long terme. Donc, on a mis en place depuis longtemps une logique qui favorise l'innovation technopédagogique et cette logique-là, on veut pouvoir l'implanter aussi dans un contexte comme celui-ci. Et donc, de voir les choses à petite échelle, expérimentale, mais se donner des options pour pouvoir capitaliser sur ce que l'on en retient, ce que l'on apprend, collecter ces informations-là et capitaliser dessus pour avancer un peu plus et proposer des améliorations. Donc, je terminerai là-dessus. Une des choses qui était très importante pour nous, c'était de dire aux gens, rassurez-vous, on va vous prendre là où vous êtes, on va vous permettre de faire un pas de plus qui va vous amener à répondre peut-être à certaines contraintes actuelles, et puis ça sera pas parfait. Mais on va faire avec et on va faire mieux la fois d'après, et on va avancer avec ça. Donc, il était très important de rassurer les gens aussi, puis les réconforter un peu, je dirais. Je peux me permettre d'ajouter, Florian, oui. On a aussi fait un sondage, le pôle a fait un sondage oui. Assez tôt dans la séquence des choses là, pour voir un petit peu. Puis le constat, ben, c'est un peu comme aussi ce qui a été dit précédemment, c'est que tout le monde n'est pas à la même place, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Alors, le défi de la formation du personnel enseignant, si on pense la formation d'une façon logique et tout à fait, je dirais, séquentielle, mais on est tellement aussi en situation d'urgence qu'en fait, il faut que la formation dont la personne a besoin
soit prête et qu'on soit prête à la donner d'une forme ou d'une autre, dans une forme ou dans une autre, au moment où elle en a besoin. Alors, c'est pour moi le défi. On n'a pas les réponses, mais on a quand même cette posture et c'est ça qui a fait, par exemple, qu'on a ouvert des séances. Je dis le « on », je suis très inclusive. C'est le pôle qui a ouvert des séances, comme l'a dit Florian, pour des gens qui se considèrent vraiment débutants. Et là, ben, ça permettait de poser les questions les plus banales de comment je fais pour ouvrir un micro, puis qu'est-ce qui arrive dans tel... Et aussi, donc, on a fait des séances qui étaient ouvertes pour des questions, donc parfois des séances thématiques. Ou le défi, je crois, pour nous, c'est il y a la question de l'urgence, donc être capable de donner quelque chose en temps opportun et dans une forme que la personne ne se décourage pas. C'est beau les guides, c'est beau ce qui est écrit. Les gens veulent souvent qu'on soit à côté d'eux pour les accompagner. Des fois, ils voudraient bien qu'on le fasse à leur place aussi. Ce qui fait que moi, mon constat, en tout cas, c'est que des besoins, il y en a une panoplie, puis la technologie, c'est sans fin. C'est vraiment sans fin. Puis les outils, du matériel, il y en a beaucoup. Alors, je dirais que l'autre défi pour nous, puis le travail avec le service de soutien institutionnel, ça a été aussi de dire, écoutez, il ne faut pas que la personne soit amenée dans 3, 4, 5, 6 sites, puis qu'il doit faire plein de clics pour se retrouver sur une page qui lui dit clique ailleurs. Alors, il y a eu un travail aussi que le pôle a très, très bien fait, puis on a convenu dès le début que pour la faculté d'éducation, même s'il y avait des ressources sur le site institutionnel, on allait faire un espace pour nos gens, ce qu'on pense qui est pertinent pour eux, puis évidemment, en leur donnant l'ouverture de pouvoir aller voir ailleurs, mais je reviens, le texte que j'ai écrit dans le white paper portait sur la communication, mais parce que quand les gens cherchent puis qu'ils trouvent pas, c'est là que ça génère de l'anxiété, ça génère de la colère, ça génère de l'insatisfaction. Alors, il y a ce défi-là, puis quand Nadia disait « prenons soin de nos gens », c'est aussi « prenons soin de nos gens » en se mettant dans leur expérience, là où ils sont, puis en comprenant l'expérience qu'ils vont vivre quand ils vont être à la recherche de formation, à la recherche de ressources ou à la recherche d'une réponse. Et ça prend vraiment de penser les choses avec plusieurs modalités parce que les besoins sont vraiment différents. C'est un vrai, vrai défi. C'est facile de poser le problème. Donc, c'est la première étape. Après, ben, il faut trouver les solutions. Là. En effet. Merci, Julie. Annie, est-ce que tu veux poursuivre sur ce qui se passe à Laval au point de vue de la préparation des professeurs? Oui, bien écoute, je vais enchaîner en commençant en fait pour souligner qu'au niveau de l'Université Laval, les ressources qui ont été mises à la disposition des profs par le service de soutien à l'enseignement étaient absolument incroyables. On avait déjà un service de soutien à l'enseignement qui faisait un excellent travail, mais il y a eu là une mobilisation puis une capacité de vraiment être au rendez-vous et de fournir dans un temps record toutes les ressources là qui étaient nécessaires et dans un lieu où tout était rassemblé, facile à trouver, un ensemble de formations qui était proposé avec beaucoup de flexibilité. Et nos professeurs et chargés de cours là se sont dit vraiment absolument ravis par ces ressources-là. Ils disent avoir progressé énormément au niveau du développement de leurs compétences, tant pédagogiques que techno-pédagogiques, technologiques, bref. Donc ça, c'est sûr que l'institution a déployé là vraiment l'artillerie lourde pour venir appuyer chaque membre du personnel enseignant. Donc nous, en tant que faculté, l'idée n'était pas de dupliquer évidemment ce qui était fait d'une manière remarquable à l'échelle institutionnelle, mais c'était de voir comment au niveau plus terrain, comment on pouvait être en appui aussi aux besoins de nos professeurs et chargés de cours. Alors, au premier chef, on avait notre service techno-pédagogique facultaire qui comprend un certain nombre de conseillers en formation et qui font un travail aussi à l'année là qui est remarquable, mais lorsque la pandémie est arrivée, leur nombre, évidemment, ne s'est pas multiplié. Alors, notre défi a été de dire, bien, comment on va faire pour répondre à la demande avec la petite équipe que nous avons, les ressources que nous avons, pour être capable d'apporter vraiment l'appui requis là, pour chaque personne qui en fait la demande et donc qui en a besoin.
Alors, la première chose qui a été faite, c'est en collaboration avec tous les collègues en technologie éducative, notamment. Il y a eu un leadership incroyable qui a été assuré là pour organiser toute une série de webinaires. Je dirais, il y en a eu un ou deux par semaine qui se sont organisés jusqu'aux vacances d'été pour faire en sorte que les professeurs, mais aussi les chargés de cours, reçoivent à la fois des formations ou des occasions d'échanges de pratiques plus ou moins informelles, parce que les gens avaient besoin aussi de verbaliser, partager leurs inquiétudes. Alors, partout où on pouvait aussi aller à la rencontre dans des assemblées départementales, assemblées facultaires, on était très présents dans ces Zooms à répétition. J'ai l'impression d'avoir passé le printemps sur Zoom dans mille et une rencontres, mais c'était la manière d'aller chercher le pouls, d'être à l'écoute de l'anxiété dans un premier temps que vivaient nos collègues, mais aussi de voir comment se construisait progressivement là, leur réponse à la situation qui s'en venait. Donc, pendant ce temps-là, ça nous a permis, nous, de mettre sur pied une brigade étudiante aussi, comme le décrivait Florian, mais d'une autre nature. Pour nous, on a recruté tout près d'une trentaine d'étudiants, donc des auxiliaires d'enseignement de deuxième, troisième cycle, dont la plupart ont pu réaliser un stage crédité dans leur programme d'études, donc respectifs, mais qui ont été formés et coordonnés d'une manière centrale à la faculté et qui ont travaillé étroitement avec les conseillers en formation professionnelle. Donc, cette brigade d'étudiants-là ont été à la disposition des professeurs et des chargés de cours pendant tout l'été. Il en reste encore une quinzaine actuellement qui continuent d'accompagner certaines transformations des cours qui sont actuellement là dispensés à la session d'automne. Et on est en train de monter une nouvelle brigade d'une autre vingtaine d'étudiants qui vont commencer d'ici deux semaines et qui vont accompagner la transformation des cours de l'hiver. Donc, ça a été une expérience. Sur le coup, pour nous, c'était juste d'essayer de maximiser les ressources et de venir en appui à notre service là, de conseiller en formation professionnelle. Mais on s'est rendu compte que c'était aussi pour ces étudiants-là une occasion de formation incroyable. Ils se sont sentis mobilisés. Ils ont eu l'impression là, de contribuer à quelque chose qui était extrêmement important. Puis je pense que les professeurs ont eu l'occasion en même temps de sentir cette énergie là des étudiants qui étaient contents là, de contribuer. Donc, ce n'est que sur cette base-là, je pense que c'est une expérience qui a été quand même assez concluante. Donc, je dirais que c'est ce qui s'est passé au niveau donc, de notre faculté. Peut-être un petit dernier élément que j'oubliais de dire aussi, c'est que dans tout ce qu'on a fait, on a aussi essayé de sortir de nos structures habituelles et de regrouper les collègues autrement que par leur appartenance départementale habituelle. Donc, on a créé plus d'occasions de rencontres mixées où les gens qui se connaissent moins, qui ont peut-être moins l'occasion d'échanger ensemble, ont pu aussi apprendre les uns des autres. Donc, ça a aussi donné, étrangement, là, l'occasion à des gens, alors que tout le monde était hors campus, ont eu l'occasion de rencontrer des collègues qu'ils ne connaissaient pas et de pouvoir échanger avec eux. Donc, c'est comme un autre aspect qui est un peu qui est venu soutenir malgré tout ce processus-là au printemps dernier. Mais je laisserai Nicolas donner, peut-être décrire de manière plus fine ce que son service a créé. Ben, merci Annie, puis simplement pour compléter, parce que tu as déjà fait un bon résumé des grandes mesures qui ont été déployées, pour moi la question, c'est peut-être pas nécessairement de dire comment préparez-vous, mais comment supportons-nous les enseignants, puis les facultés, puis pour moi la nuance est très importante. La deuxième nuance que je souhaite apporter, c'est comment avons-nous préparé? Je ne sais pas si vous avez vu le récent sondage d'Educause où on évalue, où ils ont demandé aux établissements leur sentiment de préparation pour la session d'automne. Et plus tôt le plan a été déployé, plus près en proportion les enseignants ou les équipes se sentaient prêts à affronter la session d'automne. Donc, pour nous, ben, on est déjà à ce moment-ci à préparer l'hiver. On est déjà en mouvement depuis plusieurs semaines, mais en gardant dans notre champ de vision la session d'hiver 2021. En ce qui concerne les mesures qu'on a déployées, bon, outre la publication rapide, dès la fin avril ou début mai, là, autour du 5 mai, un plan était publié. Puis, sans rappeler de mauvais souvenirs à tout le monde, hein, vous vous souvenez des différents signaux qu'on obtenait du ministère. Le premier ministre disait « je veux les étudiants sur le campus, 1 mètre, 2 mètres, 1,5 mètre ». Alors, ça a été difficile, mais de garder le cap. Puis, ce que les enseignants nous demandaient, c'était de dire
peu importe l'orientation, donnez-nous une orientation, puis on va le faire. Il y avait une grande fatigue de changer ou d'amener des différents changements en cours de route sur l'orientation qu'on donne. On a lancé un vaste programme de formation, 86 activités de formation, mais qui ont été basées sur un sondage. On a demandé aux étudiants leurs besoins, aux enseignants, quels étaient leurs besoins pour lancer des activités de perfectionnement. Puis la réponse étant un engagement exceptionnel du personnel enseignant, 7000 inscriptions aux activités de perfectionnement entre le 1er mai et le 31 août, du jamais vu. Une année normale pour le service de soutien à l'enseignement, c'est 700 inscriptions dans une année complète pour les activités de perfectionnement qu'on a. Et Annie l'a mentionné, c'est une valeur qui est très importante dans notre approche, c'est l'équilibre entre l'approche centrale, locale, disciplinaire, puis la complémentarité. C'est ce qu'on a cherché. On a travaillé, nous, il y a 7 équipes de soutien technopédagogique sur le campus qui sont rattachées à différentes facultés. On a créé une communauté de pratique des conseillers pédagogiques, il y avait 70 personnes qui se partageaient l'information en continu. On n'a pas forcé, on n'a pas standardisé les choix. Encore aujourd'hui, c'est un débat d'actualité probablement dans tous les établissements. Il y a une question de coût, mais la dernière des choses qu'on veut demander présentement aux enseignants, c'est de changer leur pratique ou de leur dire, maintenant, pour des raisons d'économie, on a fait le choix d'une seule plateforme d'enseignement synchrone. Du moins, pour la prochaine année, c'est clairement une approche de maintenir la diversité. Puis choisir des outils simples. Je pense que ça a été dit à plusieurs reprises dans la publication, mais il faut encore se le rappeler aujourd'hui. Des approches connues, des outils simples, puis voilà. Puis au moment où on se parle, nous on s'apprête, puis même il est déjà pratiquement en route. Vous avez parlé des différentes phases là, en introduction. C'est-tu préparé déjà, mais vraiment en étroite collaboration, je veux dire relation avec nos enseignants à l'ère post-COVID. On veut commencer à les sonder, les écouter pour voir comment leurs pratiques vont évoluer dans la session en cours, à l'hiver, mais aussi dans les sessions à venir. Merci, Nicolas. Alors, c'était une intervention très intéressante parce que finalement, on déballe une panoplie de concepts sur la modalité, sur la question d'évaluation qui n'est pas simple et qui est encore à régler dans bien des cas. Est-ce qu'on est capable peut-être d'aller fouiller dans cette question un peu plus pointue d'évaluation rapidement pour savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait? Est-ce que c'est souhaitable de continuer à faire des examens qui sont soit surveillés en ligne ou qui sont en face-à-face? Ou est-ce qu'on est en train de voir comment à l'avenir? Parce que ça va se passer sur plusieurs années, ça va pas faire une révolution de l'évaluation en 3 mois ou en 2 mois, comme on a essayé de faire au printemps dernier. Qu'est-ce qui est en train de se faire présentement et puis comment est-ce qu'on voit l'avenir par rapport à l'évaluation? Peut-être que je peux poursuivre si ça vous convient. Donc, de notre côté, ou du moins de ma perspective, je ne veux pas le généraliser pour l'établissement, mais c'est un problème complexe puis pour lequel il n'existe pas de solution unique. Clairement, l'incertitude actuelle en lien avec l'ouverture, fermeture, nous condamne à miser sur la diversification des modalités d'évaluation. Je l'ai mentionné en introduction. C'est important pour nous de capitaliser sur la réalisation d'examens à la fois sur campus et aussi à travers nos 30 centres d'examen. Je reviens aussi en arrière, la ligne directrice première était de diversifier pour réduire au maximum la dépendance et la prépondérance des examens sous surveillance. Est-ce que cette pratique-là va rester dans le temps? On pourra s'en reparler dans 12 ou 18 mois. Mais clairement, ça a été bien entendu, je veux dire, comme orientation chez les enseignants, parce qu'on voit clairement la réduction, du moins dans le volume qu'on a à gérer. Fait que par diversification, là, pour être plus précis, j'entends les approches pour évaluer les apprentissages. Le contexte actuel nous demande de personnaliser, de faire preuve de flexibilité aussi envers les étudiants qui vivent des situations particulières. On a fait d'ailleurs un sondage auprès d'étudiants dans certains programmes. Annie pourra peut-être en parler chez vous au BPEP où les étudiants nous disent clairement « j'ai besoin de plus de temps pour réaliser mes activités d'évaluation ». La surveillance sous contrôle des approches mixtes. Moi, ce que je trouve, regrettable parfois dans le discours, c'est l'aspect binaire qu'on apporte à la surveillance en ligne, que ce soit avec l'intelligence artificielle ou la surveillance active avec Zoom. Pour nous, c'est une approche comme une autre qui vient compléter d'autres approches. L'idée n'est pas de démoniser la surveillance en ligne,
Et clairement, puis on le voit arriver cette semaine, surtout avec le passage en zone rouge de la capitale nationale, des étudiants qui nous le demandent pour des raisons personnelles qui ne peuvent pas se déplacer. Ou qui... Donc, ça devient une solution complémentaire et non pas une solution de remplacement. Puis pour moi, c'est une perspective qui est intéressante parce que dans plusieurs discussions, parfois, on polarise notre perspective, notre conception de la surveillance en ligne. Alors que ça peut très bien être déployé de manière complémentaire à d'autres approches, puis en dernier recours. Du moins, c'est où on se situe au moment où on se parle en date du 2 octobre 2020. Je pense que c'est très bien situé quand même. Hein? Il faut mettre une date sur ce qu'on dit maintenant parce que la connaissance évolue à la vitesse de la pensée et tout ce qu'on dit aujourd'hui va peut-être changer dans 6 mois. Alors, merci Nicolas pour cette intervention. On a une question de l'auditoire qui est en anglais, alors je vais la lire. Transitioning from in-person lecturing style of learning to remote online learning has become a necessity within the COVID-19 context. Under this new learning environment, what are the students unlearning, especially students with disabilities? How have they been impacted? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir? Alors, il y a des désapprentissages chez les étudiants et il y a aussi des étudiants qui sont désavantagés. Il y en a certains qui sont avantagés, d'autres qui sont désavantagés. Alors, on peut adresser la question dans n'importe quel des axes. Ben, écoutez, c'est une question à 100$, là, comme on dit. C'est sûr que on préparait le panel, j'ai dit, écoutez, on n'a pas beaucoup de recul. Là. Moi, j'étais encore en gestion de crise. Là, comme je vous dis, là, à 11h, moi, j'ai une autre réunion. Puis on est là dans le brouhaha de tout ça, ça change à toutes les 2 secondes. Alors, je crois que c'est un peu tôt. La question est excellente, la question est importante. C'est un peu tôt pour le dire. Je pense que peut-être ça peut être un appel que cette personne nous fait aux institutions d'être vigilant puis peut-être de se doter de moyens pour analyser cette question-là, puis peut-être pouvoir y répondre au bout d'une année d'expérimentation, ou en tout cas à travers les différentes sessions. Puis probablement que la réponse sera très nuancée, parce que pour certains, ce sera ceci, pour certains, ce sera cela. C'est difficile. Au fond, c'est une non-réponse, mais c'est simplement souligner que c'est une question importante. La question de l'équité, des adaptations, on la prend très au sérieux. Notre service à la vie étudiante travaille avec le vice-rectorat, travaille avec nous pour chercher des solutions, des adaptations dans le nouveau contexte. Alors, pour le moment, on n'a pas d'indice là qu'il y a quelque chose de très significatif à souligner là, en termes d'une augmentation de l'inéquité. Il y a déjà de l'inéquité, on s'en cachera pas. On a toutes sortes de stratégies d'accommodement. Et ça, toutes les institutions le font. Donc, voilà, ce serait ma réponse diplomatique. Merci, Julie. Je peux rebondir là-dessus parce que j'allais justement faire un lien, et ça me permet de faire un lien peut-être avec la question de l'évaluation des apprentissages, parce que ce qui... En fait, cette migration, cette transition en fait du en présentiel vers du distanciel n'est pas nouvelle. Ça existe depuis que la formation à distance existe. Et la question et pour accompagner beaucoup de personnes et former beaucoup de personnes à ces questions de comment on transforme nos cours en présence pour qu'ils deviennent pertinents en ligne, revient à questionner de manière centrale l'alignement pédagogique et donc les modalités et stratégies pédagogiques qui sont mises en œuvre au service des apprentissages qui sont ciblés. Et donc, quand on repense l'évaluation, ça nécessite de re-questionner tous ces aspects-là. Et donc, un des éléments centraux dans notre accompagnement qui a été fait durant toute cette période, c'était vraiment de questionner les gens sur pourquoi vous mettez en place telle modalité d'évaluation. À quelle cible pédagogique répond-elle réellement? Est-ce que c'est vraiment de cela dont vous avez besoin pour attester des apprentissages de vos étudiants? Et donc, par conséquent, est-ce que la modalité examen est celle qui vous convient et qui est indispensable? Et peut-être, comme le disait Nicolas, il y a
a-t-il d'autres stratégies pour diversifier un peu cela? Mais donc, essentiellement à la base, penser une transition vers du en ligne et du à distance nécessite de repenser l'alignement pédagogique et la structuration de l'ensemble des activités. Donc, je dirais que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais comme le dit Julie, ça va demander beaucoup de travail a posteriori, un peu comme le proposait Nicolas, ça veut dire de regarder un peu plus loin là où en sont vos pratiques, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a apporté. Et je pense que ça, la recherche sur le temps nous permettra de donner des réponses un peu plus précises. Mais c'est sûr que là, actuellement, il faut faire attention à ça. Au-delà des questions éthiques, des questions organisationnelles, des questions de surveillance, moi, je pense que ce qui est central, c'est quelle est la pertinence des modalités mises en œuvre et comment elles se caractérisent par rapport à vos cibles initiales. Merci, Florian. Finalement, il nous reste 5 minutes pour... ça s'est passé très vite, on a eu beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais quand même vous interpeller pour vous demander qu'est-ce que ça signifie tout ça pour ce que j'aime appeler l'imaginaire québécois de l'éducation supérieure, c'est-à-dire l'idée d'aller à l'université. Je me souviens très bien, en 1990, là, je suis en train de me dater, quand je suis partie à l'université avec ma boîte à lunch, je suis partie à Ottawa dans la grande université. Puis j'avais quand même un imaginaire sur ce que ça signifiait, parce que j'allais faire des nouveaux amis, j'allais rencontrer des gens. Il y avait un campus extraordinairement grand. Et là, tout d'un coup, on a des étudiants qui sont venus, mais finalement, peut-être, ça change un peu ce qui se passe parce qu'ils sont à mi-programme. Il y en a d'autres qui commencent cette année. Alors, peut-être j'aimerais vous entendre parler un peu sur ce que vous en pensez et puis comment peut-être, qu'est-ce que ça invite pour l'avenir avec les étudiants étrangers qui arrivent au Québec ou ne sont pas encore arrivés au Québec. Si tu me permets, Anne-Louis, je voulais justement rebondir parce qu'en parlant des étudiants qui ont des besoins particuliers, il me venait tout de suite à l'esprit. Nos étudiants étrangers, mais j'allais dire nos étudiants hors pays. Alors, on a des étudiants actuellement qui veulent venir, mais qui ne peuvent pas venir, qui sont pris chez eux avec un décalage horaire. Ils doivent très souvent, en tout cas en ce qui concerne les étudiants que nous recrutons au cycle supérieur, qui se retrouvent aussi dans certains pays pour lesquels les compétences numériques ne sont pas au niveau de développement auquel on pourrait s'attendre d'un étudiant qui nous vient de la Côte-Nord ou qui nous vient de l'Est du Québec, là. Alors forcément, on se retrouve aussi avec des étudiants qui non seulement sont pas en train de profiter de la vie campus d'études au Canada, mais qui se retrouvent aussi avec de très grands défis. On essaie d'être à l'écoute, de les encourager évidemment en leur disant « mais vous allez venir un jour là ». Mais j'ai beaucoup de préoccupations aussi pour ces étudiants dont on n'a pas vraiment parlé là au cours de notre panel. Puis je voulais vraiment m'assurer qu'on garde à l'esprit toute la présence de ces étudiants internationaux sur nos campus. Alors, il y a là quelque chose, évidemment, qui est un très grand enjeu si la situation devait perdurer encore longtemps. Donc, il y a une perte, à mon avis, tant pour le milieu universitaire que pour ces étudiants actuellement là qui sont placés dans des conditions plutôt difficiles. Surtout quand les cours sont en ligne, on peut penser que la classe virtuelle synchrone est justement une belle occasion, mais quand ton cours se termine à 2h du matin parce que avec le décalage horaire et que tu as 3 cours par semaine, ça peut être quand même des défis là, très, très importants. Peut-être, avant de laisser la parole aux autres, parce qu'on est en train de finir, j'ai une petite réflexion plus comme maman que comme vice-doyenne. J'ai des enfants actuellement qui sont dans l'enseignement supérieur et je vois effectivement leur vie étudiante profondément transformée. Chacun le matin, on part avec notre café, on s'en va à notre station au sous-sol, dans une chambre ici et là, et on s'installe en télétravail pour toute la journée. Puis, je suis profondément attristée de voir finalement toute la perte qu'ils subissent au niveau de ce qu'est la vie étudiante, ce que sont les apprentissages à travers toutes les activités parascolaires, les expériences de mobilité internationale, activités d'engagement de toutes sortes. Donc, actuellement, c'est un enjeu extrêmement grand de voir comment on peut faire vivre à nos étudiants l'ensemble de ce que comporte une formation universitaire. Et on a dû se concentrer sur ce qui était le plus urgent, c'est-à-dire transformer les cours, s'assurer que les étudiants puissent acquérir leur formation, puissent progresser dans leur formation, mais il faut quand même être honnête là, que sur le volet faire vivre la vie étudiante actuellement, nos moyens sont plutôt limités et clairement, si la situation doit perdurer, je trouve ça plutôt triste là, de voir nos jeunes actuellement être privés de toutes ces belles occasions.
Merci, Annie. On a un dernier commentaire donné à Julie. Alors, vas-y, Julie, et ensuite, on va compléter. Bon, alors, je vais le prendre sous un autre angle. Pour moi, toute cette situation-là a permis de d'ébranler la force d'inertie de tout le système éducatif. La société se transforme. On a une tendance en éducation, alors je dirais, à être assez conformiste par rapport à nos pratiques. Et donc, on était dans un processus d'évolution très, très lente et très progressive. Et on faisait face à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je dirais, de statu quo, de force, de ce que j'appelle la force d'inertie. Pour moi, la façon dont je le vois, dont j'ai envie de le voir, c'est que ça a fait de la place dans notre tête pour imaginer l'éducation autrement. On l'a pas trouvé encore. On est plus dans une situation où est-ce qu'effectivement on a beaucoup d'obstacles, mais clairement le monde change. Les technologies ont fait en sorte que toutes les sphères d'activité changent et ça a fait de la place et ça a permis d'avoir des dispositions chez l'ensemble des personnes impliquées dans le système éducatif pour envisager un autre imaginaire de l'éducation. Moi, c'est comme ça que je le vois à long terme, mais cela dit, on va aller voir ce qu'on va faire avec la zone rouge pour le moment. Alors, il est 10h51, c'est la fin de notre panel. Ça a été une des conversations les plus agréables que j'ai eues depuis des mois. Alors, vous remerciez, chers collègues, vous êtes extraordinaires, le travail que vous faites est hyper important. Merci d'avoir pris le temps d'arrêter dans vos urgences de la zone rouge pour vous joindre à nous aujourd'hui. Et je souhaite à tous une très belle journée. Un vrai plaisir. Merci. Merci beaucoup.